Elle est haïtienne. J'attends toujours mon passeport, hein. Mais en attendant, la princesse, tu nous dis... Bah, Haïti, chérie, mon amour, hein? Bah, c'est Princess Lover. Elle va pleurer là. Non. Elle pleure. C'est un mois particulier pour moi de parler à Haïti. C'est particulier, vous savez pourquoi. Je suis très heureuse parce que je pense que cette récompense est aussi pour toute la communauté, pour tout ce que vous avez vécu. Merci. C'est vrai que des fois, nous avons tendance à dire que nous séparer parce que les îles sont séparées, que les musiques sont différentes, que c'est clash qu'il y a alors que nous ne pas savent. Et en tout cas, je sais que mon passeport, il est dans mon cœur. Oui. Vous m'avez laissé mon passeport, il est dans vos cœurs. Oui. Et je ne cesserai jamais de vous dire merci pour ça. Merci. Et je sais aussi que je dois faire aussi des solos qui ressemblent à notre musique en Haïti. Oui. Je dois faire encore d'autres duos. Oui. Mais en tout cas, je suis vraiment contente parce que Richel a eu ce prix. Oui. On a une petite histoire. C'est Haïti qui a eu ce prix ce soir. Ouais. Grâce à toi, Richel, Haïti a été présente au Rwanda. Et grâce à chacun de vous, on a pu ressentir que chacune de nos îles était présente ce soir. Et le monde entier a pu savourer ça. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est important. Alors je voulais aussi dire merci à Richel parce que je ne me suis pas trompée. Richel faisait des chœurs en Haïti et c'est vrai qu'on a toujours dit que c'était un monde d'hommes. Et quand j'ai entendu Richel chanter, j'ai dit non, elle peut pas être choriste cette enfant, faut la faire chanter. Elle m'a dit ah ouais mais princesse, t'es là, parle. J'ai dit non, c'est une manifestation, il y a un paquet de chanteuses. Je veux que Richel chante. On a fait Richel chanter. Bravo. Et je suis heureuse parce que maintenant, c'est votre petite protégée, ma petite protégée est devenue notre petite protégée. Et j'espère qu'elle emmènera Haïti encore très très loin. Haïti, restez soudés. Vous êtes très soudés, on vous admire. Alors voilà. Et vous savez que je suis quelqu'un de très sincère. Vous savez que j'ai beaucoup de frères en Haïti. Que moi-même, je me sens haïtienne. Et je sais que je voulais vous dire merci pour ça parce que vous m'avez donné cette place en Haïti. Et je voudrais aussi profiter à travers cet écran pour vous dire aussi à vous tous à quel point j'ai été fière de vous. Vous avez tout déchiré, qu'il se passe des choses. Et je pense que c'est le genre d'événement comme ça qui reste important parce qu'il est important vraiment. Que les gens puissent se rendre compte que nous pas besoin de followers, nous visons la vérité. Voilà. Tout le monde peut être fanatique, tout ça qui a passé ailleurs. Mais il faut nous savoir côté nous sortir et qui nous nouiller. Et si on ne peut pas se donner la main pour pouvoir avancer, on n'ira jamais loin. Oui, nous ne pouvons pas être fanatique, tout ça qui a passé ailleurs. Et pas prendre conscience du talent que nous à la caille. Alors, je voulais vous dire merci pour ça parce que, vous savez, c'est un travail monumental. De me rendre compte que de chanter Mon Soleil, que de 7 à 77 ans, Mon Soleil a 20 ans comme Trace. Wow. Trace m'a donné cette chance, ça a été le premier générique de Trace Tropical à l'époque. Et de pouvoir chanter cette chanson-là ici, je ne savais même pas que le Rwanda connaissait Mon Soleil, même si Mon Soleil a beaucoup marché en Afrique. Et en tout cas, je voulais vous dire que je suis fière de vous. Je me demandais pourquoi j'étais ici. Mais en tout cas, je pense que vous avez été... J'ai eu ma réponse et en tout cas, vous êtes la première raison. Je vous aime de tout mon cœur. Je suis fière de vous et je vous souhaite tout. Merci.